Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va customiser ma liseuse parce que j'en ai marre de cette coque. Ça fait un bon moment que je l'ai, je n'avais pas choisi la coque puisque la liseuse que j'ai c'est la Kobo Aura 2E et en fait je l'ai reçue de la part de Kobo il y a maintenant un bon moment, je pense qu'on peut dire bien 2 ans facilement. Du coup j'avais reçu la coque avec qui est du coup une coque directement de chez Kobo qui est compatible avec la liseuse bien évidemment mais surtout qui a cette fonctionnalité en fait d'être un peu origami, de pouvoir poser la liseuse par exemple debout sur un plan en utilisant la fonction origami comme ceci, ou encore le slip cover qui fait que quand la liseuse est fermée en fait elle se met directement en veille et dès qu'on la réouvre elle se remet en marche directement sur la lecture là où on en était. Donc c'est quand même plutôt pratique mine de rien, mais elle est orange flash et en fait en réfléchissant un petit peu à ce que je pouvais acheter en tant que nouvelle coque pour personnaliser ma liseuse ou en tout cas pour avoir une liseuse qui me correspond un petit peu plus en termes d'esthétique parce que ça j'aime pas trop, et bien j'ai trouvé que des choses qui ne me correspondaient pas non plus à 100%, qui pouvaient être un peu plus passe-partout bien sûr, mais qui n'allaient pas non plus me plaire à 100%. Puis je me suis dit que je pouvais acheter une coque transparente tout simplement comme ceci, qu'il y en avait des compatibles avec tous les types de liseuses, donc il y a juste à chercher en fonction du modèle de liseuse que l'on a et la personnaliser. Du coup c'est ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo. Il est donc temps de customiser cette coque de liseuse qui en plus de ça, comme vous le voyez bien en gros plan, c'est un petit peu abîmé avec le temps. En même temps ça fait bien 2 ans que je l'utilise quotidiennement, donc je trouve qu'en soi elle est toujours plutôt en bon état. Bien évidemment je vais la garder de côté, on sait jamais. Alors ça fait un peu bizarre d'avoir en main la liseuse sans protection, mais écoutez, elle ne va pas rester longtemps comme cela puisqu'il est temps de déballer la nouvelle coque. C'est une simple coque en plastique que j'ai achetée sur internet. On est clairement sur un objet qui vient de Chine, donc si vous n'êtes pas pressé, vous savez très bien par quel site passer. Vous y trouvez dedans directement un petit bout de papier cartonné qui présente le produit et qui va être bien utile puisqu'il est pile aux dimensions de l'intérieur de la coque. Moi je m'en sers directement sur une feuille de papier canson pour l'utiliser comme patron parce que je préfère la texture du papier canson. Mais vous avez aussi cette version zéro déchet qui consisterait tout simplement à décorer directement cet élément de l'objet que vous venez d'acheter. En soi, je pense que ça peut bien marcher. Je découpe directement mon papier canson au ciseau, hein, rien de bien sorcier ici. Je pense qu'on a tous été à l'école maternelle et qu'on a tous appris à découper dans notre vie. Donc voilà. Et bien sûr, on n'oublie pas les petits coins arrondis. Maintenant que la base est prête, il est temps de la décorer. J'ai décidé d'opter pour la collection de citrons de ma boutique. Donc j'ai pris le set de papier, les différentes planches de stickers, les cadres et encarts, etc. Et on commence tout de suite, ce que j'adore faire, déchirer directement les papiers à la main. Je trouve que ça donne un côté très déstructuré qui me plaît beaucoup. Avec une ouverture au centre qui permet de montrer et de laisser visible le papier canson en dessous, c'est juste parfait. J'en profite pour découper mon papier directement bien droit avec mon massicot Crealia, dont on peut changer les lames, mais moi j'ai une vieille lame toute usée, du coup il coupe pas forcément très très bien. Je glisse également d'autres papiers pour compléter le tout. J'aime beaucoup alterner entre des papiers qui sont unis et un peu texturés et des papiers à motifs. Je trouve que ça allège l'ensemble et j'ajoute également une feuille de papier avec du texte. C'est clairement une page de livre recyclé. J'adore ça, je trouve que ça fait tout de suite ce rappel de la lecture. C'est parfait pour une liseuse, mais honnêtement, ça marche aussi très bien dans un carnet de lecture. Pour coller, j'utilise ce rouleau de colle qui est un indispensable. Si vous n'en avez pas, je ne sais pas comment vous faites. Honnêtement, je suis incapable de m'en passer. Je m'en sers autant pour le scrapbooking que pour ma boutique. Dès que j'ai un truc à coller, ou presque, c'est avec ça. Dans 95% des cas, c'est avec ça. Ou alors j'ai besoin de colle super forte parce qu'on est sur des objets différents que du papier, quoi. Je dispose les différents papiers, j'essaye de les agencer à peu près de la même façon que ce que j'avais fait au départ avant de les coller, parce que c'est toujours différent une fois qu'il y a de la colle dessus, mais c'est aussi ça qui fait la beauté des choses. De toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir toujours exactement ce qu'on avait prévu au départ. Faut accepter que les choses puissent évoluer, surtout dans le scrapbooking, faut se servir des petites erreurs que l'on peut faire aussi.
Je fais aussi attention à bien coller les petites bandes de papier, mais on est ici sur un papier cigarette, je vous jure, c'est assez compliqué de le coller sans en mettre partout et sans le déchirer. Mais ça va, je m'en suis plutôt bien sortie. Puis on découpe tout ce qu'il dépasse, le fait de les découper à cette étape-là va permettre d'avoir bien en visuel la dimension finale de cet étui de protection, ou je sais pas comment on peut appeler ça, cette page de décoration. Mais du coup, de connaître cette dimension là, ça va permettre d'ajuster aussi ensuite nos décors. Je rajoute des petits bouts de papier encore au milieu parce que je trouvais que la bande blanche était un petit peu trop imposante et que ce serait un petit peu plus joli d'avoir aussi d'autres éléments comme ceci dans le centre de cette feuille. Mais bon, écoutez, ça c'est libre à chacun en fonction de vos goûts, bien sûr. On passe maintenant à une des parties que je préfère, l'utilisation des stickers. En même temps, hein, je serais pas créatrice de stickers si j'aimais pas autant ces produits, je vous jure, c'est un truc de fou, je pourrais passer ma vie à coller des stickers partout. Je suis en pleine réflexion parce que mon produit préféré de la boutique c'est le cadre et un quart et pourtant j'ai pas réussi à les placer dessus. Je voulais apporter de la texture mais ça n'a pas marché. Donc on repart sur des stickers, on essaie de les superposer comme on peut, histoire d'apporter un peu de relief malgré tout. J'hésite pas à dépasser parce qu'après on découpe tout ça bien propre, tout nickel et ça donne cette impression de page hyper chargée, très remplie, sans pour autant utiliser une tonne de produits. Je place la feuille de papier dans l'étui directement pour pouvoir déterminer l'endroit où je dois découper pour le bouton on-off de manière à le rendre accessible et c'est pas parfait mais ça fait le job et c'est tout ce qui compte. Honnêtement, je suis trop fan du résultat, ce changement, c'est incroyable, j'adore, vraiment, je suis tellement fan et j'ai déjà en tête plein d'idées pour les prochaines saisons. Pour l'écran de veille, moi j'ai choisi d'avoir l'écran de veille le plus neutre possible, alors c'est perturbant parce qu'on a l'impression qu'elle est en marche, dans le sens où l'écran de veille est blanc, mais pourtant elle est bien en veille, elle n'éclaire pas pour autant, donc si jamais vous êtes dans le noir, vous n'allez pas avoir un écran lumineux noir, c'est juste comme si vous avez une feuille de papier devant vous, plus ou moins. Suivant les marques de liseuses que vous avez différents types d'écrans de veille qui sont proposés. Chez Kobo, on peut modifier le type d'écran de veille que l'on souhaite en proposant de mettre la couverture du livre que l'on est en train de lire par exemple, notre avancée dans le livre en plus, ou de mettre la couverture en plein écran ou pas, enfin il y a plein de variations qui existent et il y a celle-ci qui est beaucoup plus neutre, beaucoup plus discrète. Si vous êtes en train de lire une romance avec une couverture des plus dégueux, c'est peut-être l'idéal aussi. Moi je trouve que c'est plutôt sympa de l'avoir comme ça et ça permet d'avoir quelque chose qui n'est pas surchargé, sachant que l'arrière est déjà bien chargé mine de rien. J'ai eu un peu de mal à couper le cercle. Je pense que la prochaine fois, ce que je ferai, c'est que la base, je ferai un pattern directement sur mon logiciel Silhouette et je le découperai à la machine de découpe, puisque j'en ai autant profité, mais c'est vrai que je voulais vous montrer ici qu'on pouvait très bien se débrouiller pour faire ça sans avoir de machine de découpe. Alors bien sûr, moi, toute la papeterie que j'ai utilisée pour décorer, c'est de la papeterie qui vient de ma boutique, mais vous pouvez très bien acheter de la papeterie où vous voulez, ou tout simplement faire une décoration autrement. Si vous êtes doué de vos 10 doigts, dessiner directement dessus, etc., l'avantage, c'est que, en fait, vous n'avez qu'une feuille de papier à personnaliser et vous pouvez la changer quand vous voulez. Donc là, moi, j'ai choisi un thème de citron parce que je me suis dit qu'on était encore en été. C'était pas encore tout à fait le moment de passer sur un thème automnal, mais clairement, dans quelques semaines, quelques mois, je changerai pour un thème automnal, je pense bien. Et en plus de ça, eh bien, si un thème vous intéresse et tout, vous pouvez tout simplement garder votre petite feuille de côté, dans un petit classeur ou autre, de manière à les réutiliser plus tard dans l'année, et ça permet d'avoir quelque chose qui est complètement modulable en fonction de vos envies, en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous aimez faire, etc. Bref, je suis absolument conquise. Alors si jamais ça vous intéresse et que vous avez aussi une liseuse Kobo Aura 2E, je vous mets la référence de l'étui que j'ai utilisé dans la description, mais si vous avez une autre référence de liseuse, bah cherchez tout simplement celui qui correspond à la vôtre, parce que clairement si vous n'avez pas la même que la mienne, ce sera pas compatible. Surtout que chez Kobo, faut faire attention parce que en fait, souvent sur les modèles, les tailles sont les mêmes, mais la place du port change. Donc en fait, si vous vous retrouvez à devoir enlever votre étui de protection pour charger votre liseuse, c'est pas très utile. Après, voilà, une liseuse, c'est pas quelque chose qui a forcément besoin d'être protégé, entre guillemets. Je trouve que c'est des appareils qui sont plutôt robustes, mine de rien. Je pense même que certaines personnes les utilisent sans étui du tout. Moi, ce que j'aime bien avec l'étui, c'est plus de pouvoir la personnaliser, avoir une liseuse qui soit à mon goût, avec une esthétique qui me plaît, etc. J'ai plus du tout la fonctionnalité slipcover, du coup, puisqu'elle n'a plus de couverture, mais il suffit simplement d'appuyer sur le bouton, d'où l'intérêt d'en faire un trou, parce que bah, sinon, c'est pas très pratique d'appuyer tout le temps sur le papier. Et j'ai plus non plus l'utilisation
customisation de l'origami pour la faire tenir debout, mais honnêtement, je m'en sers absolument jamais. J'ai vu aussi que certaines personnes, quand elles personnalisaient leur liseuse, elles mettaient des pop-sockets à l'arrière pour pouvoir les tenir en main, etc. Moi, je trouve que ça tient très très bien en main, surtout avec ce genre de plastique-là, ça permet de voir quelque chose qui ne glisse pas vraiment. Et honnêtement, quand je tiens ma liseuse, c'est toujours comme ceci, simplement. Ou alors, voilà, c'est la technique de la flemme, je la tiens comme ça, et j'utilise ce doigt-là pour tourner les pages. C'est vraiment une technique, je vous dis, c'est un peu n'importe quoi, mais ça marche très très bien. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes team liseuse ou pas. Moi perso, j'adore lire sur tous les formats, et vous le savez, que ce soit en format papier, en format numérique, en e-book ou en livre audio, et franchement, j'adore pouvoir cumuler mes lectures sur différents supports, même si ça peut revenir très cher, mine de rien. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a peut-être donné un petit peu d'inspiration, que ce soit pour décorer votre liseuse ou pour d'autres projets de scrapbooking d'ailleurs, parce que clairement ce que j'ai fait là, c'est très proche de ce que je fais aussi dans mes carnets de lecture ou bullet journal, donc ça peut peut-être vous inspirer aussi pour d'autres supports. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao !